Salut les gens! On espère que vous allez bien. Nous on est un petit peu fatigués, on s'est un peu couché tard toute cette semaine. Du coup là aujourd'hui on commence à avoir des petits yeux très cernés. Donc on a décidé de faire comme les gens de la télé-réalité, de garder nos lunettes à l'intérieur. Parce qu'on n'assume pas notre gueule. Non, je regarde une flemme. Flemme de se voir à grand miroir. C'est ça, parce qu'en fait on a le retour et du coup on a flemme de se regarder quoi. Est-ce que je sors le multifruit? Je sors le multifruit, yes. Peut-être. Du coup, nous sommes dimanche et c'est le dernier jour à Nice. On va même pas passer à Nice. Dernier jour à Nice, qu'on ne va même pas passer à Nice. Ah oui, ouais, on va aller dans une petite ville à côté de Nice qui s'appelle Beaulieu. Beaulieu. Puisque tu veux du machin? Ah bah t'as pas de verre. Non, je vais finir le verre. Puisqu'il y a apparemment une villa qu'on peut visiter, une grande maison très jolie et tout, et qu'il y a un petit peu une plage avec du vrai sable, parce qu'à Nice c'est des galets. Puis ensuite on va rentrer pas trop tard pour que je puisse préparer mes affaires et tout, puis passer la dernière soirée ici, un petit apéritif et tout. La base. Je suis en train de mettre en ligne le précédent vlog de Nice et Justine a la fibre et du coup ça met que 16 minutes à s'importer alors que c'est genre une vidéo de 15 minutes. Genre chez moi un truc comme ça, ça met presque 4 heures à s'importer, c'est un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf, faut que j'arrive à trouver, à mettre la fibre. Il est 13h, on est toujours à l'appartement et puis on partira après manger. On va faire des photos sur le balcon parce qu'elle a un trop beau balcon. One eternity later. Du coup on a fait un petit shooting sur la terrasse. C'est entre lesquelles? T'hésites entre lesquelles? Celle-ci est trop belle. Donc entre les deux, elle est mieux. Attends, entre celle d'à côté? Ouais. Ok. Et entre quoi elle que... et elle? Celle où tu baisses la tête, ouais. Elle est trop trop belle. Celle-là, c'est ma préférée. Avec son petit bouquet que son copain lui a offert. Adorable! Quoique, celle-ci est jolie aussi. Peut-être elle, je regarde le truc, donc peut-être que... Vu qu'elle, je regarde pas. Tu vas les mettre en carrousel, ça s'appelle. Merci. En carrousel, ça s'appelle. Ouais. Du coup, ce midi, on va manger le reste de pâte ratatouille. J'ai l'impression que dans tous les repas, on a montré de la pâte ratatouille. Avec du fromage. Si vous vous rappelez du vlog précédent avec le petit plateau de fromage qu'on s'était fait, ben voilà, il reste du fromage. Donc ce sera le repas du midi. Et après, nous allons donc à Beaulieu. Il fait toujours aussi beau, mais coup de soleil, ça s'est un peu atténué, mais on préfère quand même pas trop tenter le diable. Vachement atténué. Ça s'est vachement atténué, mais bon, comme on était bien brûlés quand même, on préfère... pas trop risquer. Oui, non, on va de diable, on va voilà rester à l'ombre. Le soleil c'est parce pas que bon oui, le soleil il ne faut pas en abuser, les loulous. Faut mettre de la crème solaire, chose qu'on n'a pas fait, mais c'est pas bien, faut en mettre, c'est important, surtout dès que vous commencez à avoir de la rougeur ou la peau qui brûle et tout, faites pas entre les... midi et deux, faut pas ouais, s'exposer, faut pas du... santé hein, mais pas des pieds. C'est moi qui lui ai appris, voilà. On est bien arrivé à Beaulieu-sur-Mer. C'est ça. Et c'est trop beau. Franchement, c'est trop trop beau. Je sais pas si vous êtes déjà venu ici, mais la couleur de la mer, genre, ça m'impressionne de jour en jour. C'est la couleur de jour en général. Il fait très chaud, effectivement. Dans 10 minutes, ok. Putain, il y a un yacht là-bas. J'ai sorti la casquette parce que je voulais pas que ça me tape sur la tête. Justine, elle marche trop vite, je sais pas ce qu'il lui prend, mais elle est 6 mètres devant. Normalement, on est bientôt arrivé. Ah, il y a un panneau. Meuf, tu marches vraiment super vite, hein. J'ai du mal à te suivre. Donc, comme on vous avait dit, on va à la Villa Rothschild. Alors apparemment, il y a des jardins aussi. Et apparemment, c'est bah, du coup une grande villa qui est super jolie. Il a l'air d'avoir une super belle vue parce qu'on est un peu en hauteur. Sur la mer, ouais, ça a l'air trop 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 beau. Franchement, j'adore ces paysages, franchement, je trouve ça vraiment trop trop beau. Mais regarde ça, mais...
Putain. T'as une toile d'araignée? Je ne sais pas. Ça se trouve, il y a l'araignée. Non, mais je suis pas meuf. Non, mais tu peux regarder mon dos. Ah, j'ai un truc. Mais non, mais non. Ah, c'est bon. Bah, du coup. Oh là là. Photo pépite. Ah, de ouf. On se croirait dans le désert. Waouh. Tous les cactus. Ils sont en meilleure forme que le tien, hein. Du coup, on est dans les jardins de la Villa Rothschild et en gros, c'est classé par style de jardin. Donc là, on est dans le jardin japonais, par exemple, il y a le jardin français, jardin japonais, jardin provençal, etc. Provençal. Et du coup, là, on est dans le jardin japonais et c'est trop trop beau. Genre, ils reproduisent exactement les styles et tous les types de végétation qu'il y a au Japon. Il y a les arbres qu'il y a dans chaque pays, dans chaque. Du coup là on est dans le japonais, il y a la petite mare comme ça avec les galets, ça ressemble trop au Japon, enfin je suis jamais allée mais des images qu'on voit du Japon, il y a des petits ponts comme ça. Il y a des bambous, il y a des bambous, des trucs comme ça. Oh, même là, il y a des jardins zen, là tu sais où tu dessines. Ouais. C'est trop trop beau. Ouais, de ouf. On a trouvé le banc à l'ombre, de tout le jardin. Donc on va se poser là un petit peu parce que on a chaud. Moi j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Et on a pris 450 photos. 450. C'est pas un chiffre, je viens de regarder. On vient de regarder 450. Genre là on en a pour Instagram au moins pour un mois. Et franchement cet endroit c'est trop trop bien, je vous conseille de ouf si vous venez à Nice ou à côté. Du coup c'est à Beaulieu-sur-Mer et ça s'appelle la Villa Rothschild. Et c'est 10€ pour les moins de 25 ans et 15 il me semble pour les plus de 25 ans. Donc c'est pas énorme pour une visite et tout. Et ça peut bien vous occuper, là ça fait quoi, ça peut bien vous occuper 2 heures je pense. Oui il est 5h là. Ouais déjà. Du coup ça vaut le coup. 5 sur 5 sur TripAdvisor, on vous conseille. On est bien rentré à la maison, à l'appartement. Du coup, on prend notre petit apéritif dehors puisque c'est la dernière soirée du coup ici. Ouais. Malheureusement. Du coup, petites olives, petites noix et tout et un reste de chips avec un petit cocktail. Voilà pour la dernière soirée, le dernier apéritif. Pour ceux qui voudraient des nouvelles du cactus, ça cicatrise. Hop, c'est plus à vif. Donc bon bah de toute façon Justine nous donnera des nouvelles et elle nous dira si on a réussi à le sauver ou pas. J'espère. Ou si, croisez les doigts. Ouais grave, croisez les doigts avec nous. Alors aujourd'hui on... Oh, faut qu'on filme la vidéo des anecdotes. Alors aujourd'hui on se retrouve sur mon balcon. Moi aussi je vais devenir youtubeuse. Ça focus sur ma face. Bon, de jour en jour, on s'étale, mais maintenant, il faut tout ranger, hein. Super. Ça va pas être une partie de plaisir, hein. Je trouve pas, on dirait des mecs dans les manèges. C'est parti. Oui, oui, oui. Bon, alors ça, c'est important. Ah, mais... Oh, ta brosse. Je t'avais dit regarde dans ton sac. Mais je l'ai vidé, mon sac. Possible. Mais meuf, je l'avais vidé, je te jure. C'est pas possible. Enfin, pas que je te fasse pas confiance, hein. Bah non, mais genre, forcément, je l'avais mal vidé, mais j'avais fait en, enfin, j'avais cherché dedans, quoi, comme j'avais vidé ma valise. Non, mais là, truc de ouf, là. J'avais perdu ma brosse et je viens de la trouver dans mon sac. Ça fait une semaine que j'ai pas de brosse, alors qu'en fait, elle est là, genre. C'est bizarre. Je suis trop chiante. Insupportable. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm in love with you. Baby, you're the one for me. Bon bah normalement tout rentre dans ma valise, hein. Ma foi, j'ai réussi à tout ranger. Bon après il y aura mes affaires de la nuit, mon pyjama et tout, mais bon.
Oh là là, là 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 là, je pèle du front. Ah non, 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 c'est pas juste là. Hein. Pourtant, mon coupe-soleil, il est parti là. Voilà, j'ai fini de mettre ma crème. Après cet après-midi bien sympa, je suis bien rentrée chez moi cette fois. Bon bah voilà, ça y est, je viens de rentrer chez moi, d'arriver dans ma maison. Vous pouvez reconnaître ma chambre. Je suis partie depuis 8h ce matin, donc autant vous dire que je suis morte. Donc j'ai hâte de prendre une douche aussi, franchement, parce que il faisait chaud, il faisait lourd et tout, et moi je portais tous mes sacs avec mes vestes et tout, donc autant dire que j'avais super chaud. J'ai retrouvé ma petite plante d'amour qui a un petit peu souffert, donc je vais l'arroser. Franchement, juste après vous avoir dit ça, j'ai pris ma meilleure douche, les gars, c'était trop bien. Et le reste de ma soirée, je l'ai passé à profiter de ma famille que j'avais pas vue depuis une semaine, à regarder une série et à me reposer. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.